DJ Stéphane. Bala Mwangi. Congo ya Lumumba, Congo. La fachi beton. Tangwe koki yo yo yo. Tangwa ngoya ngoyo ye koki. Tolanda kango. Papa Stéphane, Bala Mwangi. Oh yeah yeah. Voilà, bien merci beaucoup à la réalisation de Pierrot Chibangu et de Max. Nous sommes en direct de Kinshasa, c'est déjà 13h passées des quelques minutes. Alors nous sommes là rapidement pour vous parler de quelques informations et surtout plus l'actualité de l'heure en République démocratique du Congo. Alors écoutez ceci, nous allons parler du coup d'état raté à Kinshasa le dimanche matin, mais également nous allons parler de l'agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo, de nouvelles informations à notre disposition. Et mais également des nouvelles agitations sur base de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Il y a plusieurs têtes qui sont déclassées et des nouvelles apparitions au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, le bureau définitif. Donc vous allez écouter plusieurs choses durant toute cette émission. Et nous allons aussi vous parler d'une nouvelle idéologie basé sur le développement de la République démocratique du Congo, une ASBL qui soutient et qui accompagne la bonne vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et cette ASBL est dénommée Fachi Développement. Son secrétaire général, c'est lui, notre invité spécial de cet après-midi. Nous sommes les mardis 21 mai 2024. Moi, on m'appelle Jésus Ankolé. Alors, je reçois le secrétaire général de FAD, son nom c'est M. Grégoire Changou, c'est ça? C'est lui qui nous recevons. M. Grégoire, bonjour à vous. Bonjour monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Bonjour chers téléspectateurs. Nous sommes très honorés de vous recevoir en direct de ces plateaux des Tango Koki RDC. Alors, nous parlons de la situation sécuritaire au niveau de la République démocratique du Congo. Le dimanche matin, vers 3h, 4h, il y avait des assaillants de plusieurs nationalités. Il y avait des Congolais, il y avait des Américains. On nous informe aussi, il y avait des Iraniens, des Russes, ainsi de suite, qui ont pénétré même jusqu'au niveau du Palais de la Nation, au niveau de la commune de la Gombe. C'est le bureau du président de la République. Plusieurs résidences de plusieurs autorités au niveau national ont été attaquées, je parle des résidences, et mais également la situation sécuritaire et l'évolution de l'actualité à l'heure où nous parlons après les coups d'État. Est-ce que l'État délié, le secrétaire général Grégoire, que vous pouvez faire par rapport à tout ce qui s'est passé? Merci beaucoup monsieur le journaliste de m'avoir invité. Nous serons bilingues. Bilingues. Merci voilà. Beaucoup. Premièrement, je tiens d'abord à remercier notre président national, M. Divin Mutombo, oui, à qui je réitère mes remerciements pour la confiance qu'il m'a fait cet après-midi. Et d'ailleurs, dans le vif du sujet, M. Rojali, je vais dire que ce n'est pas un coup d'État. Mm. Ce n'est qu'une déstabilisation des institutions qui n'a pas réussi. Moi, je les appelle, ce ne sont même pas des rebelles. Est-ce qu'il y a une différence entre coup d'État et déstabilisation des institutions? Mais le coup d'État, quand on exécute un coup d'État, monsieur le journaliste, il faut qu'il y ait une cible. Mm. Mais les cibles à rater. Ils ont voulu tout simplement déstabiliser le peuple congolais à travers les institutions de la République. Vous voyez, ce sont les hors-la-loi. Ce ne sont même pas des rebelles pour moi. Ce sont des hors de la loi qui doivent être punis selon la loi en République démocratique du Congo. Mm. Voilà un peu. La situation actuellement, je vous dis que le président de la République, avec toute sérénité, a repris ses activités normalement depuis hier au Palais de la Nation. Il est très serein. Sur place, au lieu du crime. Il est sur le lieu du... Ce n'est même pas le lieu du crime parce que ce sont... Moi, je ne les appelle pas des criminels. Ce sont des hors de la loi. Ils n'ont rien fait. Voilà. Ils n'ont rien fait parce que le FARDC, nos forces armées, on fait un bon travail. Vous voyez? Mais c'est déjà, dire que la FARDC a fait un bon travail, mais en voyant la situation géographique du Palais de la Nation, voir Ressia Mangala et ses assaillants pénétrer jusqu'au niveau du Palais de la Nation, cela reste à désirer, c'est inconcevable. On ne peut pas croire à ça. Comment expliquer? Il y a une sécurité au niveau du Palais de la Nation, ces assaillants puissent pénétrer jusqu'à l'intérieur. C'est très désolant. Je vous assure que le Palais de la Nation
c'est l'une des institutions le mieux sécurisée au Congo. Mais comment expliquer ça? Ce n'est qu'une stratégie militaire. Moi et toi, nous ne sommes pas militaires. Est-ce que vous pensez qu'une institution comme Palais de la Nation peut être accessible à tout le monde comme ça? Vous venez puis vous entrez. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait au finish? Ils n'ont rien fait. Ce n'est qu'une stratégie militaire. Donc moi, vous et moi, nous ne sommes pas des militaires. Ce sont des stratégies. Vous comprenez au moins? Je profite de cette occasion, monsieur, pour dire que le peuple congolais, particulièrement le Kinois et Kinois, doivent être calmes. La situation est au contrôle. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le commandant suprême des forces armées, il est très serein. Déjà hier, là, il a repris son travail au bureau au Palais de la Nation. Alors, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qu'il peut faire au peuple congolais. En parlant maintenant de la situation sécuritaire au niveau de tous nos services de sécurité, prenons la police, prenons aussi l'armée, la FARDC, DEMIAP, les renseignements militaires, ANOR, les renseignements civils et sur tous les plans, est-ce qu'il y a des dispositions qu'aujourd'hui les services de sécurité aussi peuvent prendre pour mieux sécuriser les territoires nationaux? Nous avons plus ou moins 145 territoires. Oui. Quelles sont les dispositions qu'il faut prendre hormis la capitale qui est Kinshasa, mais également toutes les provinces, que nous puissions voir vraiment une très bonne sécurité installée? Actuellement, tout est au contrôle. Je vous informe même d'ailleurs à ce qui concerne la situation de l'Est. Il y a certains territoires qui ont été récupérés depuis hier. Et nos forces armées sont en train d'aller jusque dans les territoires de Massissi. Il y a certaines cités minières qui ont été récupérées par les forces armées. À combien plus forte raison nos frontières? Et quand un général, le porte-parole de FARDC, général Elengue, il fait son point de presse, il dit que le Kinoise et Kinois doivent vaquer à leurs occupations. Vous pensez que c'est un hasard de faire une telle déclaration? Le pays est bien sécurisé. Ce n'est que le hors-la-loi qui ont voulu déstabiliser l'institution de la République. Ils ont échoué lamentablement. Dont l'un de leurs, ils sont en train d'être auditionnés. Et je vous assure, je profite même d'ailleurs de votre micro, monsieur Fiston, pour vous dire que le procès de ces gens doit être télévisé à la télévision nationale. Un procès public. Là, c'est la demande de Fatih Développement. Nous demandons au président de la République que ce procès de ce hors-la-loi doit être diffusé en direct sur la chaîne nationale. Il y a certains assaillants qui sont encore vivants. Ils sont vivants. Il y a certains qui sont blessés. D'ailleurs, ils sont prise en charge par le service médical de l'État. Il y a certains qui ont été saisis et en train d'être auditionnés. Voilà pourquoi nous, en tant que femmes, monsieur Fiston, nous demandons au chef de l'État, commandant des forces armées et les garants des bons fonctionnements des institutions, nous le demandons en tant que Fatih Développement Asbel, que ces procès de ces hors-la-loi soient diffusés sur la RTNC. Enfin que la vérité soit dite. Vous attendez quelle vérité, vous, Fad? Mais imaginez-vous. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui, je n'ai même pas cité les noms de ce monsieur qui a été tué, leur chef. Non, par élégance, hein, par élégance. Bon, personnellement, monsieur Fiston, monsieur Christian Malinga. Malanga, quelque chose comme ça, oui. Malanga, oui. Est-ce que vous pensez qu'il est plus que Congolais que vous? Même pas. Est-ce qu'il est plus que Congolais que moi? Il a même changé de nationalité. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Il travaille pour les multinationales. Le chef de l'État, à la longueur de journée, il est au 40e voyage aujourd'hui. Pour la paix en RDC. Moi, je vous dis aujourd'hui, en tant que Fatih Développement Asbel, que la personne ciblée, ce n'est pas le chef de l'État. On cible la nation congolaise. Par rapport à la vision qu'a le chef de l'État pour le pays. Quelle est cette vision? Déstabilisons-lui. Quelle est cette vision? Mais il a la vision de développer ces pays. Voilà pourquoi nous, depuis 2022, nous avons mis à mettre en place Fatih Développement Asbel pour l'accompagner. Vous parlez trop de Fatih Développement. Fatih Développement, c'est quoi? Fatih Développement, nous avons des objectifs et des missions qui nous ont été consignés par les fondamentaux, que nous appelons ordinairement le statut. Nous sommes dans la lutte contre la corruption. Nous sommes dans la lutte contre le tribalisme. Le népotisme. Nous défendons les couleurs de la République démocratique du Congo. Jusqu'au sacrifice suprême, nous sommes prêts à défendre cette nation.
Et nous sommes dit, nous ne pouvons pas défendre cette nation tout en étant individuel ou personnel, non. Mettons un cadre juridique qui peut quand même encadrer toute cette vision. Nous sommes le chef de l'État, nous sommes derrière le chef de l'État pour soutenir sa vision claire, qui est de l'unité du Congo, la prospérité du peuple congolais. Vous comprenez au moins? Non, ce n'est pas une structure dont tu te réveilles un bon matin, tu crées et puis tu commences à parler. Non, non. Nous avons des objectifs qui nous sont assignés. Nous avons nos missions, dont d'ailleurs, bientôt, nous allons passer à plusieurs activités dans la ville. Et je vous informe d'ailleurs que nous sommes en train d'avancer à l'implantation des FAD, de Fati Développement, SBL, à Kolwezi, nous sommes déjà là-bas, au Kassai Central, au Kassai, nous sommes au Congo Central, et nous sommes en train d'avancer. C'est pour vous dire qu'il y a un travail qui s'est fait. Mais c'est Grégoire, mais pourquoi simplement accoler les noms de Fachi au niveau de votre ASBL? Parce que vous venez de dire FAD, Fachi Développement. Pourquoi mettre le nom de Fachi au débit de la dénomination de votre ASBL? Pourquoi Congo Développement? Pourquoi pas RDC Développement? Simplement Fachi et à la fin vous mettez Développement. Quelle est la vision et la pensée? La pensée et l'idéal est que Félix Tshisekedi Antoine n'est pas un homme, une personne, c'est une institution. À ce que je sache, nous avons au moins quatre institutions de la République. Bien sûr. Il y a l'institution président de la République. Composée d'une seule personne. Voilà. C'est Fatih, ce qui signifie Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une institution que nous soutenons. Nous ne soutenons pas l'homme. Félix Tshisekedi, non. Monsieur Fiston. Vous soutenez aussi les détournements? Vous soutenez la mauvaise gestion? Vous soutenez les retours des caciques d'hier, de soi-disant de personnes un peu demi-Dakar qui ne sont pas des Congolais, des pères et des mères qui sont aussi tout autour des Fachi, qui sont dans la cour des Fachi, dans la pelouse des Fachi, des personnalités, certaines autorités qui sont proches des Fachi, mais haïs par la population. Est-ce que vous soutenez aussi toutes ces personnes? Fait en tant que FAD Développement ASBEL. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bar Asbel, que nous nous dirigeons aujourd'hui, monsieur le journaliste, nous ne pouvons pas soutenir les antivaleurs. C'est-à-dire? Nous ne pouvons pas soutenir les antivaleurs. Toute personne qui est autour du chef de l'État, il est là pour soutenir et pour faire son travail par rapport aux attributions lui assignées. Alors, quand une personne, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de détournement? Mais c'est une question que je vais me poser. Bon, je ne suis pas de l'État, vous posez cette question, mais je me dis, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de détournement? Nous écoutons les rapports de l'IGF, nous écoutons les rapports de l'ODEP, de plusieurs structures. S'il y a détournement en RDC actuellement, oui, il y a la justice. Mais du moins, nous devons quand même apprécier le travail abattu par le chef de l'État et certains de ses collaborateurs de bonne foi. Regarde un peu le travail qui est abattu à la DGI. Ce sont des milliards qui sont mobilisés. Au finish, il y a l'IGF qui fait bon son travail. Au niveau social de la population, il n'y a pas cette physionomie de la mobilisation des recettes sur l'assiette des Congolais à la maison. Je comprends votre question, monsieur Fiston. Vous voulez parler que les recettes mobilisées par l'État doivent avoir de l'impact sur la population? Bien sûr que oui. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes parents. Moi j'ai 4 enfants à la maison qui partent à l'école gratuitement à l'Athénée de la Gombe. C'est vrai, une école luxueuse. C'est vrai ça. À l'ancien régime. Il y a aussi la gratuité là-bas. Il y a la gratuité. Il y a plusieurs écoles dont on paye $800 pour le trimestre. Mais le régime actuel, coordonné ou chapeauté par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a allégé cette charge aux parents. Vous dites que leurs recettes n'ont pas de pacte. Je sais que dans tout cela, il y a des prédateurs qui ne soutiennent pas le chef de l'État. Pas plus tard qu'hier, nous avons lancé la campagne sur la lutte contre le tribalisme. La lutte contre le tribalisme, oui, au vivre ensemble. Pourquoi aujourd'hui le S-Kassaïen
non, disons le centre kassaïen, disent que le chef de l'État a trop servi les Kassaï orientales que les Kassaï centrales. Mais je vous informe aujourd'hui sur votre plateau de télévision, ce sont les centres kassaïens qui sont plus servis que le S kassaïen. Alors les Katangais, alors le Nord Kivusien, alors la province orientale, alors la province équateur, alors le Bandundu, alors le Congo central. Pas simplement la vision soit focalisée, la pensée soit focalisée au Kassai, parce que le Congo c'est les 26 provinces. Je vous informe, allez-y là-bas. Il y a 4 mois j'étais là-bas. L'aéroport qui est construit là-bas, permettez-moi, est plus que celui de Ndjili. Ce n'est pas au Kassai. Allez-y au Katanga, précisément à Lubumbashi. Mais si vous arrivez là-bas, vous dites que... Si vous arrivez sur la ville de Lubumbashi, vous dites, je suis sur une autre planète. L'héritage de Katumbi. Non, il n'y a pas l'héritage de Katumbi là-bas. Katumbi, c'est un commerçant. Mais nous parlons ici de la ville de Lubumbashi, non? Oui. Le meilleur gouverneur publicité il y a plusieurs années. Non, celui c'est, de la grande province de Katamasi. Non, il fait un commerçant. Je vous informe qu'il fait un commerçant. Katumbi n'est pas un politicien, c'est un commerçant. Je vous le confirme. Il n'a rien fait au Katangé. Si ce n'est que s'infiltrer dans de petits commerces, je vous dis, Katumbi gouverneur, il a vendu même des briques. Ah bon? Il était dans tout. Il n'a pas eu le seul espace. Moi, j'étais au Katanga. Il n'a pas laissé l'espace aux commerçants du grand Katanga à l'époque de respirer même un tout petit peu. Il n'y a personne qui peut me contredire. Quand les gens apprennent, peuvent apprendre que Katumbi revient à la tête de la province, mais ils commencent déjà à gémir. Vous comprenez au moins. Donc, généralement, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Alors, les CG, Grégoire, la question aussi arrive souvent dans nos différentes émissions, on nous pose et on parle plus de l'infiltration, que ce soit au niveau de la politique, mais également au niveau de l'armée congolaise. Aujourd'hui, est-ce que le vrai problème de tous ces coups d'État, le vrai problème au niveau politique, au niveau des personnalités politiques, ce n'est pas un problème de l'infiltration? Il ne faut pas commencer d'abord à balayer, il ne faut pas commencer d'abord à tamiser, à enlever des mauvais fruits, de mauvaises personnes au bazar à Katia armée. Parce que notre armée a besoin d'être balayée. Notre espace politique a aussi besoin d'être balayé. Est-ce que les vrais problèmes se trouvent aussi au niveau de l'infiltration, que ce soit au niveau politique, que ce soit aussi au niveau de l'armée? Monsieur Christian, je vais vous révéler une chose. À ce qui concerne votre question, une très bonne question. La date du 17 mai 1997, La libération du Congo. Non, moi je ne dis pas une date de libération, mais c'est ce qu'on nous a appris. C'est une date même à l'école. Même à l'école, c'est une date la libération du Congo. Je vous mets votre aîné comme témoin, Freddy Moulumba. Permettez-moi de citer son nom. Qu'est-ce qu'il avait dit? Nous avons eu à discuter avec lui. Pour nous, FAD, nous sommes pour la date du 2 août. Ça, 2001. Ça nous rappelle quoi? Il date où Mouzé se décide de chasser tout le Rwanda, tout le Rwandais du sol congolais. Comme James Kabarebe, chef de. Voilà, c'était général, le 2 août. Hein. C'est une histoire. Les gens qui apprennent peut-être l'histoire doivent retenir ça. Nous, en tant que FAD développement, Asbel, nous soutenons la date du 2 août où Mouzé se dit un bon jour, un bon matin, que tous les Congolais doivent libérer, tous les Rwandais doivent libérer le sol congolais. Et non la date du 17 mai. C'est une date d'infiltration qui nous a créé beaucoup de problèmes. Et d'ailleurs, même je demande au chef de l'État d'abolir même cette journée afin d'insérer la date du 2 août où Mouzé se décide de renvoyer tout le Rwandais du sol congolais. Regardez tout ce que nous avons comme problème en RDC. Un plan machiavélique de depuis plus de 30 ans contre la République démocratique du Congo. Et ce plan est en train d'être mis en exécution. Mais je vous dis, le peuple congolais est vigilant. Et nous devons être derrière le phare de nos forces armées afin de bouter dehors tout ennemi qui est contre la nation congolaise. Quel est cet ennemi? Mais le Rwanda.
bien sûr que les Rwandais là, c'est en général, nous citons Kagame, mais en interne aussi, nous avons de mauvaises pièces. Nous avons de mauvaises personnes, soi-disant chez les Congolais, qui font en sorte que le deuxième mandat de Fatshi que vous soutenez avec votre ASBL, la Fatshi Développement, oui. Les chefs de l'État avaient rappelé cela le 20 janvier 2024 lors de son investiture. Il a dit « les erreurs du passé ne vont plus se reproduire au deuxième mandat ». Donc, c'est-à-dire « les erreurs du premier mandat ne vont plus se reproduire au deuxième mandat ». Mais jusqu'à l'heure où nous parlons, CG Grégoire, le président Fatshi a prêté serment le 20 janvier. Aujourd'hui, nous sommes le 21 mai. Déjà 5 mois et un jour. La RDC n'a pas un gouvernement. La RDC n'a pas une Assemblée nationale, une Sénat crédible et officielle pour qu'à un problème, le chef de l'État peut appeler les deux chambres du Parlement et les réunir en congrès pour déclarer une guerre. Donc on n'a pas un Parlement, on n'a pas un gouvernement et on n'a pas des institutions légitimement établies présentement pour faire décoller le développement du Congo. Alors, qui bloque Fatshi présentement? Est-ce que ce sont les présidiums de l'Union sacrée? Il faut toujours citer les noms de Kabila, citer toujours les noms de Katumbi, citer les noms de Kagame qui est un peu loin chez lui au Rwanda. Alors, nous allons encore utiliser quel langage? Est-ce que c'est la constitution qui bloque? La constitution qui bloque? Ce n'est pas la constitution. Quitter les régimes semi-présidentiels au régime présidentiel? Qu'est-ce qui bloque? Je vais vous dire une chose. Nous sommes allés aux élections il y a 5 mois, comme vous le dites. Le chef de l'État a y à mettre ce qu'on appelle l'union sacrée de la nation, dont lui-même est l'autorité de référence, parce que chez nous, nous n'avons pas d'autorité morale. Là, c'est une information que je vous donne. Mais comme tout politicien, vous venez de dire qu'il n'y a pas le Parlement, parce que je sais qu'à l'Assemblée nationale, nous n'avons pas un bureau définitif. Voilà. La même chose aussi avec les Sénats. Les Sénats, voilà. Vous avez vu, pas plus tard, je crois, il y a la semaine passée, le chef de l'État a convoqué tous les députés. Le vendredi 17. De l'Union sacrée. Le vendredi 17. 17, oui. Il a convoqué tous les députés de l'Union sacrée. Il leur a fait leur demande. La constitution de la République démocratique du Congo ne donne pas pouvoir au président de la République d'avoir, de diriger l'Union sacrée. Le chef de l'État n'a pas de parti politique. Sa couleur, c'est le drapeau national. Mais il a le pouvoir de donner certaines orientations. Pour moi, en tant que Fatshi Développement, je trouve qu'il y a au moins 3 choses qui bloquent le chef de l'État. Lesquelles? Bon, pas Fatshi, mais qui bloque l'installation du bureau définitif à l'Assemblée nationale. Parce que il y a les tractations qui s'effectuent au niveau des mouvements politiques. Tout le monde veut être au bureau. Tout le monde veut être ministre et vice-ministre, veut être mandataire. Donc, il n'y a pas de consensus. Ça, c'est de 1, de 2. N'oubliez pas que le chef de l'État, il est le champion de la masculinité positive. Il veut que, au sein du bureau définitif de l'Assemblée nationale, qu'il y ait aussi la représentativité des femmes. Des femmes, voilà. Mais c'est comme si ces idées, cette vision ne s'accorde pas au niveau du présidium. De 3, la question de la géopolitique. Il y a le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président, le rapporteur, le caisseur adjoint, et puis je crois le rapporteur aussi adjoint. C'est 7 personnes. Voilà. Au regard de ces numériques, si le présidium et de bonne foi, M. Fiston, l'installation du bureau définitif ne causera pas problème. Parce que, si vous regardez bien, il y a l'espace Grand Oriental, le Grand Kivu, le Grand Kasaï, le Grand Équateur, le Grand Katanga, le Grand Équateur et le Grand Bandundu. Vous voyez déjà? Le Congo Central aussi. Le Congo Central, ce qui fait 7. Vous voyez, dès que le coordonnateur ou le membre du présidium de l'Union sacrée parvenait à bien réfléchir pour l'avancement de cette nation,
nous ne pouvons pas arriver là où nous sommes arrivés. Mais quand nous parlons de la représentativité nationale géopolitique, ainsi de suite, là nous parlons plus la question gouvernement, la question du ministre, du membre du gouvernement. Est-ce que c'est aussi obligatoire au niveau du bureau définitif de l'Assemblée nationale, au niveau du bureau définitif du Sénat, que la géopolitique aussi doit être imposée de l'autre côté? Là, c'est plus la Constitution nous parle de l'équipe gouvernementale. Hein? Oui, oui, Monsieur Fiston. Prenons le cas du grand Katanga dans son ancienne configuration. Voilà. Le Katanga nous produit 56 députés nationaux. On installe le bureau définitif, le Katanga, dans sa globalité, n'est pas représenté. N'est-ce pas créer une frustration? Mais il y a une candidate... Je parle si. Parce que vous parlez de la géopolitique. Oui, oui. Que c'est au niveau de l'équipe gouvernementale. Voilà. Mais je vous informe aussi aujourd'hui que les chefs milite pour l'équilibre. Parce qu'à cette chance, il n'y a pas une tribu supérieure à une autre en RDC. Il n'y a pas de tribu supérieure. Là, c'est le chef de l'État qui le dit tous les jours. Mm. Vous comprenez au moins? Mm. Donc, la géopolitique doit être respectée dans toutes nos institutions de la République. Alors, tout ça, c'est pour créer la paix au chef de l'État, la paix en République du Congo et la paix pour tout le monde. Alors, CG Grégoire Fad, est-ce que Fad aujourd'hui est pour ou contre que le président Tshisekedi quitte l'hospitalité, que le président Tshisekedi quitte sa bonne foi et que le président, selon la demande de certains Congolais, le président Fatshi doit devenir dictateur? Est-ce que Fad est pour ça? Parce qu'aujourd'hui, si c'était Kabila président dans ces pays, on allait déjà avoir un bureau définitif au niveau du Parlement. On allait déjà voir l'équipe gouvernementale et les choses allaient déjà commencer à fonctionner normalement. Alors aujourd'hui, les Congolais de tous bords demandent que le président Tshisekedi doit quitter l'hospitalité, doit quitter l'évangile, doit quitter sa bonne foi, devenir dictateur pour que le Congo puisse aller de l'avant. Est-ce que Fad est d'accord avec ça? J'ai beaucoup de respect au sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Mais je vous informe aujourd'hui, et d'ailleurs c'est une bonne question d'ailleurs, moi-même en venant sur votre plateau, j'étais en train de réfléchir sur cela. Nous ne sommes pas ce qu'on appelle en Lingala les djalulistes. Fad n'a pas cette idéologie. Voilà. Et n'est pas dans cet idéal. Nous condamnons là, il faut condamner. Nous soutenons là, il faut soutenir. C'est lui à qui chef de l'État charge d'une attribution, d'une fonction quelconque. Et il parvient à ne pas exécuter cela convenablement. Fad condamne. Fad condamne. Le chef de l'État, je crois qu'il doit suivre cette émission, même ses collaborateurs. L'heure est arrivée de prendre plutôt les options impopulaires. C'est-à-dire là, faut punir. C'est ce que je demande au chef de l'État en tant que secrétaire général de Fatih Développement, Osbel, que l'heure est arrivée à prendre les options impopulaires pour faire avancer la République. Parce que nous sommes avec le peuple tous les jours. Et nous avons les doléances. Fatih a réalisé certaines actions. Il reste encore à faire et nous le soutenons à faire encore plus. Vous comprenez, monsieur Fiston? C'est-à-dire que nous ne pouvons pas aller de gauche à droite, non. Là, il faut condamner Fad, Asbel, condamne. Là, il faut soutenir. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans l'idéologie, dans l'idéal de Djalel, non. Par exemple, ce qui se passe au ministère des Finances... au gouvernement provincial, lampadaire et tout. Fourage. Mais le procureur général doit se saisir du dossier. Il est là à la recherche des infractions. Il doit se saisir du dossier. D'ailleurs, il en a déjà fait. Il a demandé à l'Assemblée nationale la levée d'immunité parlementaire de M. Nicolas Razadi. Je crois que c'est un travail qui est tenté d'être fait. Peut-être dans quelques jours, on pourra voir M. Nicolas
à la barre. Alors, CG Grégoire Fad, nous allons mollo pour chuter déjà. Alors, il y avait coup d'État le dimanche. On a vu comment est-ce que le militaire, les soldats congolais ont réagi devant l'ennemi. Il y a plusieurs assaillants qui ont été tués sur les champs. Alors, les Congolais demandent aussi au président de la République la même attaque, la même chose soit reproduite pour l'est du pays. Pour l'est du pays. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'il y a de Rwandais, lorsqu'il y a Kagame M23, Nanga, AFC nous attaquent du côté est, que la FARDC aussi puisse être dans une position d'offensivité. Et pourquoi simplement la défensivité? D'ailleurs, je profite de votre question. Faut attaquer et tuer aussi. Hein? Je profite de votre question, monsieur Fiston, pour féliciter nos forces armées. Nous avons une armée dissuasive. Mais je vous informe que la guerre ne se gagne pas par la guerre. La guerre coûte des millions. Il faut la diplomatie. Hein? La guerre coûte des millions. Tout au début de notre émission, nous avons dit, je vous ai dit quoi? Que vous et moi, nous ne sommes pas des militaires. Ils ont leur stratégie. Je venais de vous parler. Il y a certaines cités minières du territoire de Masisi qui sont récupérées par le FARDC de plusieurs. Comme Rubaya et autres. Oui, comme Rubaya. Il y en a plusieurs. C'est-à-dire qu'il y a une armée. Alors, nous, en tant que les civils, nous ne pouvons pas s'infiltrer dans leur stratégie militaire. Parce que le chef de l'État, le commandant suprême des forces armées, il ne dort pas pour la situation de l'Est. Il ne dort pas pour la situation de l'Est. Je recommence et je me répète pour dire que la guerre ne se gagne pas par la guerre. Il y a plusieurs méthodes pour gagner la guerre. Imaginez-vous que c'est plus de deux décennies que la RDC est agressée. Il y a eu combien de présidents qui ont succédé à la tête de la nation congolaise? C'est une situation que nous héritons. Vous voyez, ce n'est pas du jour au lendemain que la situation de l'Est peut se stabiliser, mais je sais que le chef de l'État, avec toute énergie, il est en train de travailler sur la situation. Alors, très bien, secrétaire général FAD Fatshi Développement, monsieur Grégoire Changou. Alors, votre mot de la fin, et parlez-nous un peu en résumé, en grosso modo, un peu bien clair de FAD Fatshi Développement. Vous êtes situé à quel niveau? Vous fonctionnez comment? Est-ce que vous avez aussi besoin des adhésions des Congolaises et Congolais de venir vous rejoindre? Essayez un peu de nous brosser en quelques deux minutes. FAD, c'est quoi? Vous fonctionnez comment? Congolaises et Congolais. La caméra est là. L'heure est au développement. Le développement, tout le monde ne doit pas travailler au bureau climatisé. FAD s'est déjà lancé dans l'agriculture. Nous avons au moins plus de 102 jeunes qui ont déjà trouvé de l'emploi dans ces domaines-là. Avec l'aide de nos partenaires, et le membre, parce que vous savez, tout ASBEL fonctionne des contributions, des dons et de legs. C'est de cette manière que nous sommes en train de fonctionner. Le FAD a un comité qui est déjà officiel, bien que il devait y avoir un point de passe pour le présenter, parce que nous avons restructuré beaucoup de choses. Imaginez-vous, c'est une structure qui existe depuis 2022. Voilà. Mais nous relançons encore une fois les activités en 2024. Vous comprenez au moins, ça dit c'est un travail qui est en train d'être fait. Voilà pourquoi je lance un appel au peuple congolais de s'adhérer massivement, de contacter Tangu Koki. Il pourra vous donner les amples informations sur FAD. Notre adresse, nous sommes à Gombe, mais pour y accéder, il faut contacter le numéro de qui passe sur le banc de votre écran. Est-ce qu'il y a aussi moyen d'avoir le numéro du CG, le numéro du directeur général, M. Divin Mutombo Mwana, pour vous contacter directement? Est-ce qu'il y a moyen? Oui, avec votre permission. J'attendais cela parce que je ne pouvais pas donner de moi-même. Voilà. Si vous voulez contacter, entrer en contact avec
les autorités des FAD pour votre adhésion. Vous pouvez nous contacter au numéro 081-62-22-534. Mais aussi 097-43-96-368. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Là, c'était le secrétaire général FAD, Fachi Développement, M. Grégoire Changou, qui était notre invité pour parler de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, mais également after coup d'État raté au Palais de la Nation. On a aussi essayé de brosser l'actualité au niveau du Parlement congolais, plus sur la chambre basse du Parlement Assemblée nationale, les retards de l'installation et surtout plus de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Et on a aussi essayé de vous donner des éclaircissements basés sur FAD, Fachi Développement, un mouvement, un SBL qui accompagne la bonne vision du chef de l'État pour développer cette nation dans tous les secteurs, dans les secteurs politiques, agricoles, de la jeunesse, partout. Et la bouche autorisée des FAD était là pour nous donner de plus amples détails. Merci beaucoup à tous les abonnés, téléspectateurs congolais et congolaises qui continuent toujours à faire confiance à Tango Koki RDC. Jési Ankole était là à la présentation. Et merci beaucoup de nous suivre de partout depuis l'Afrique du Sud. Nous vous saluons, Monsieur Alain. Alain depuis l'Afrique du Sud, merci beaucoup de nous suivre depuis Johannesburg. Et du côté des Canada, à Ottawa, Monsieur Trésor Djamba du côté de Ottawa, en Canada. Merci beaucoup aussi à Monsieur Jean-Claude J.C. Mala depuis la France et depuis Lille. Toujours à la France, là, je pense à saluer Monsieur Jean-Marie Pongi Pongi avec Hemen Service. Merci beaucoup de nous suivre de partout et à la prochaine. Merci, avec le même plaisir.